Salut tout le monde, donc cette vidéo, comme vous le savez, fait suite en fait à une première vidéo qui concernait donc le niveau 1. Ici on va donc aborder la manière de passer donc le niveau 2 du Battlefield sans aucun Dokkenfest ni LR Premium. Évidemment, je linkerai dans la description la partie 1 qui concerne donc le niveau 1. Et puis sortira donc un petit peu plus tard dans la journée la vidéo concernant le niveau 3. Donc toujours dans l'optique de le faire, de faire ce Battlefield sans aucun Dokkenfest ni LR Premium. Évidemment, je ne pouvais pas faire cette vidéo en une fois, vu qu'elle serait beaucoup trop longue. Donc j'ai voulu scinder donc, par niveau. Mais voilà, donc n'hésitez pas. Cette vidéo donc fait continuité par rapport au niveau 1. Il faut absolument aller voir la vidéo sur le niveau 1 si vous ne l'avez pas encore vue. Et puis je vous laisse du coup sur le reste. Bon visionnage. On passe maintenant à des choses un petit peu plus corsées, hein, parce qu'on arrive au niveau 2. Voilà, donc le niveau 1 est terminé, on arrive au niveau 2. On va commencer du coup avec un C17 technique. Et comme je l'ai dit, les choses se corsent un petit peu plus parce que ce sont des boss qu'on peut pas stun forcément, hein, ça ne change pas. Ce sont des boss surtout qui vont taper plus fort, hein, c'est surtout ça qu'il faut retenir. Ce sont des boss qui peuvent taper plus fort, qui ont pas mal de PV, qui tombent pas trop mal. Enfin, défensivement ça va en vrai, c'est surtout qu'ils ont plus de PV qui tapent plus fort, c'est surtout ça, qui tapent pas mal fort, surtout au niveau des spé. Et donc, pour ce C17 tech, ce que je vous propose, c'est donc de partir avec Paragus et Broly. Et le CLGT en leader qui lead respectivement à 100% l'extrême intelligence et à 90% l'extrême intelligence. Donc on est quand même sur une team à 190% de lead. C'est pas horrible. Et en fait la particularité de ce CLGT c'est qu'il va pouvoir bloquer l'aspect. Ça c'est très très fort hein, bloquer l'aspect. Parce qu'en fait ça nous permet d'économiser un max de PV. Parce qu'en fait vraiment ce qui va nous inquiéter sur ce C17 c'est le fait qu'il tape super fort en spé. Bloquer l'aspect ça va nous permettre déjà de mieux survivre, on va dire ça comme ça, mieux tanker j'allais dire, mais finalement vous allez voir qu'on prend quand même des mandales. Non, mieux survivre, survivre plus longtemps, c'est ce à quoi nous servir ce CLGT, sachant qu'il se prend quand même lui-même des mandales, c'est ça qui est compliqué. Paragus et Broly d'ailleurs aussi se prennent des mandales, hein, quand on se le dise tout de suite, il va se prendre des mandales également. Lui on va essayer de le faire flotter, temps à autre, mais il peut debuff, pourquoi pas, il peut debuff, ça peut être utile. D'ailleurs on va jouer le CL Int. Sachant que je les ai TUR 100%, il va être incroyablement utile ici, parce qu'il va tanker ultra bien. Sachant qu'il a Big Bad Boss 6, donc ça va proc avec Metal Cooler entre autres. Metal Cooler LR ici, c'est un peu... comment expliquer? Metal Cooler LR, c'est un petit peu compliqué ici, parce qu'en fait, c'est un personnage qui va surtout avoir de la def au début de combat. Hein, au plus, les PV sont élevés, au plus il a de la def. Vu qu'on perd des PV au fur et à mesure, il va être de moins en moins tanky, donc c'est un peu compliqué à jouer comme perso. Au début hein, il va être très très bon, au fur et à mesure il va falloir vite le jeter, mais il a boss, c'est ça qui est cool, c'est qu'il va proc boss avec celle et donc il va falloir jouer astucieusement. Vegeta LR ici il est là aussi pour ramener des PV en fait entre autres à la team, c'est ça qui est cool, c'est qu'il va ramener des PV et il va ramener du potentiel offensif également. Il est pas dégueulasse offensivement parlant, donc tout ça fait que c'est un personnage qui est très très utile dans la team. Démigra, alors pourquoi Démigra? Parce qu'il a boss en fait, c'est la seule raison pour laquelle j'ai ramené, parce qu'il a boss, récupération, il a un link set, beurre et désespoir aussi, c'est un link set qui est vraiment très intéressant avec ce genre d'unité là. C'est pas le mec par lui-même, il va pas briller, il va surtout briller parce qu'il va proc des liens avec les autres. Et ça va être particulièrement utile ici. Puis Zamasu, je vous le présente pas, c'est un réducteur de dégâts, 40%, il heal quand il part en spé, tout ça est très bon. Il y a pas mal de choses qui sont potentiellement switchables dans cette team. Il faut savoir qu'ici, je vais vous présenter un gameplay où j'ai réussi... Bah, battre le C17 avec cette team-là. Sauf qu'en fait, c'est possible que vous creviez. Alors, je vous le dis tout de suite, il y a plusieurs fois où je suis mort avec cette team-là. À ce moment-là, vous préparez une team auxiliaire en super intelligent, tout simplement. Sachant que vous pouvez présenter de la merde. Généralement, ce que je ramenais, c'est une team avec Goku Genkidama, Goku Yardrat en leader. On était sur du 100% de lead, et puis vous ramenez des trucs de merde, genre Goten, le Gohan du... le Gohan, là, du Event Slug... Et Goku Junior, vous voyez vraiment des trucs bidons. Le seul truc que je vous dirais de ne pas faire, c'est de ramener, enfin, conserver. En fait, plus tard, on va affronter un autre boss qui est tech. C'est de nouveau un C17 d'ailleurs. On va affronter un C17 tech au niveau 3. Gardez les unités que je vais vous proposer. En fait, attention, regardez le guide bien au complet. Je vais vous proposer une team pour battre le C17 technique. Ne ramenez pas les unités dont je me sers à ce moment-là. Ça me paraît assez évident. Ramenez juste, c'est vraiment de la merde. A priori, en fait, avec cette team-là, vous pouvez descendre au moins... A priori, vous descendez toujours ce C17 à au moins une barre de PV. Il doit lui rester une barre de PV, une barre et demie grand max. Mais souvent, moi, j'arrive à le tuer quand même. Ça dépend de l'agencement de la luck. Hein. Mais voilà. A priori, il est possible que vous creviez alors que le C17 est encore une barre et demie de PV. À ce moment-là, la team du Blade que je vous ai raconté du coup, avec Goku Genkidama et le Goku Genkidama GT, évidemment, et le Goku Yardrat avec toute la merde derrière. C'est pour ça que le Ginyu, il va servir ici. Vous pouvez intégrer le Ginyu dans votre team du Blade, en fait. Je vous la montre pas ici parce qu'en fait, dans le record, bah, j'ai réussi directement. Mais
Voilà, vous voyez l'idée, hein, ramener vraiment des trucs vraiment bidons. A priori, une barre, ça suffit, hein, vous pouvez descendre une barre largement avec cette team du Blade-là. Donc voilà, on va passer directement à la run, vous voyez que ça va être possible, hein, quand même, de faire le kill avec seulement cette team-là. Hein. On est donc parti pour affronter le C-17 Tech, hein, vous voyez qu'avec les gros persos, on arrive à monter quand même à 300 000 PV, malgré le leader qui est pas non plus incroyable, hein, 190%, c'est pas non plus la folie furieuse. Mais on arrive quand même à monter à 300 000 PV, c'est pas mal. Là, ce qui est très très intéressant, c'est qu'on obtient le Cell GT tout de suite à côté du Cell Int. Et donc, il proc Form Ultime, je crois. Hein, le lien de Key Form Ultime, qui est, ça donne Key plus 2, du coup. Ça permet au Cell GT ici de monter, du coup, à Key plus 7. Et donc, il n'y a plus besoin de 5 de Key pour monter en 11 P. C'est récupérable, hein, 5 de Key, c'est faisable. Et donc, vous voyez ici, on bloque immédiatement l'aspect. Ça nous évite pas mal de problèmes. Hein. Vous voyez d'ailleurs qu'il ne tombe pas si bien que ça, hein, 16-17k, c'est pas la dinguerie. Par contre, derrière, le sel int ZTUR, vous voyez qu'il assure complètement avec des deux chiffres. Derrière, Vegeta LR, qui, je rappelle, se buff quand il se fait taper. Là, il a pas pu se faire taper, donc il va pas se buff. Il envoie quand même un petit million en crit, pourquoi pas. L'attaque sub qui proc, d'ailleurs, derrière. Et vous voyez que lui aussi ne prend que dalle, hein, 11, voilà, simplement 11, hein, deux chiffres. Vous voyez que ça gère très bien. Ici, on a eu un très très bon start, en fait. On a eu un excellent start. On part d'ailleurs en spé avec le Zamasu pour récupérer quelques PV. Le Metal Cooler part également en spé. On voyait qu'on vraiment on a un très très un excellent start. Par contre, la stratégie, il faut faire attention. C'est il faut absolument garder des Ki pour le Cell GT. Très important. Il faut absolument stun pas le stun lock, le seal lock, c'est-à-dire bloquer sa spé continuellement. Pour vraiment éviter qu'il parte en spé, c'est vraiment super important parce que s'il part en spé, ça peut très très vite mal tourner. On va prendre beaucoup, on va prendre super cher. Là encore en auto, on arrive à gérer, c'est gérable. Mais on arrive à gérer notamment avec la régénération de Zamasu. Mais sinon, vous voyez, hein, y a des problèmes de lien de ki dans cette team, c'est assez clair. Donc il faut quand même faire très très attention là-dessus. Hein, ne faites pas les malins. Ne faites tout simplement pas les malins parce que ça peut vite vous se retourner contre vous. Hein, vous dites pas, oui, il y a une grosse unité qui va cogner, je vais la faire plutôt partir en spé. Non. Faut privilégier le Cell GT. Vous voyez que nous, on a beaucoup de chance ici sur ce setup. Pour ça, les bonnes raisons qu'en fait, le Cell GT a toujours l'occasion de taper en premier sans qu'il se fasse taper avant. Donc en fait, on a toujours l'occasion de bloquer la spé avant que lui puisse envoyer une spé. Donc ici, sur cette run-là, j'ai pas mal de chance. C'est pour ça que j'avais envie de vous la montrer. Parce qu'au final, quand vous avez le bon agencement, bah, ça marche très très bien finalement. Hein. Vous voyez que ça marche. Le team, elle roule vraiment très très bien. Il n'y a vraiment pas de souci à se faire. Là, ou à l'inverse, quand vous avez des problèmes de disposition avec le Cell GT, ou des problèmes de ki, etc. Vous gérez mal le plateau, bah ça tourne mal assez rapidement. Ici, on va proc peut-être boss avec le Demigras, c'est ça qui est cool. Non, même pas, on n'avait pas assez descendu les PV. On aurait pu proc boss, hein, ça aurait été sympa ici. Hein, c'est la raison pour laquelle Demigras il est dans cette team. Vous ramenez n'importe quelle unité, c'est probablement mieux. Hein. De nouveau, je vous rappelle que ces teams-là sont basées sur le fait que vous pouvez ramener mieux. A priori, vous pouvez ramener largement mieux. Hein, mais bon, vous voyez que cette team fonctionne quand même malgré tout. Hein, sur le papier, ça marche très très bien. On va mettre le Vegeta LR en premier, comme ça il se fait taper. Et puis derrière, il va envoyer les mandales. Hein, vous voyez qu'il prend rien en auto. Derrière, il va envoyer 3 attaques, hein, vu qu'il a proc ici son passif. Et voilà, ça suffit amplement. On voit que le C-17 Tech, on l'a vraiment expédié. Mais ça, c'est uniquement parce qu'on a eu un bon setup avec le Cell GT, entre autres, qui a pu bloquer l'aspect continuellement. Dès que vous avez un mauvais setup, ça peut très très mal tourner. Bien évidemment. Mais là, voilà, on a eu de la chance. Je rappelle, hein, que c'est pas obligatoire de réussir avec cette team-là. Vous pouvez tout simplement ramener une team du Blade avec, bah avec du coup le Goku Yardrat, Goku Nukidama GT, Goten Intelligence par exemple, le Gohan Oliven de Slug, Goku Junior, etc. Vous pouvez ramener une team du Blade, ça le fait complètement. Mais bon, a priori, si vous avez mieux que moi, ne serait-ce qu'un Dokkan Fest, vous n'aurez même pas besoin de partir sur une team du Blade, hein, ça suffira largement. Sachant qu'ici, même avec cette team-là, ça suffit. Donc voilà l'idée. Voilà l'idée avec cette team-là. Il faut simplement bloquer l'aspect continuellement. Vous avez suffisamment de puissance de frappe et de tankiness sur l'une ou l'autre unité pour gérer tout simplement ce boss-là. On aborde donc maintenant le deuxième boss du niveau 2, c'est C18 puissance. Et là, vous voyez que les choses se corsent un petit peu plus encore. Hein. En fait, pas tellement que ça, parce qu'en fait, elle a les mêmes particularités que, le C17 Tech. En fait, qu'elle va taper plus fort, notamment en spé, etc. Les problèmes sont identiques, sauf qu'en fait, on peut pas les gérer de la même manière. Là où avec le C17 Tech, on pouvait bloquer sa spé, la C18 puissance, ça va être compliqué parce qu'en fait, les seuls bloqueurs de spé en agi, ils sont pas très très nombreux. Le plus proéminent, en fait, c'est Goku Arale. Et Goku Arale, on va devoir le garder pour plus tard. Et finalement, on aurait pu aussi, d'une autre manière, gruger en récupérant assez de PV pour tenir le coup avec Goku SSJ de Ange. Je vous apprends rien, cette unité est très très forte.
nous aurait permis d'avoir un lead à 90%, voire 101% pour la famille de Goku. Et en plus, il va healer de ouf, donc finalement, les spé n'auraient pas été trop un problème que ça. Sauf qu'on peut pas le ramener aussi ici, voilà, sur les bonnes raisons, qu'on en a besoin également plus tard, face au C16 puissance. Donc, bon. Du coup, ça nous laisse avec pas beaucoup de possibilités pour battre ces C18 puissance. D'où le fait que j'utilise deux teams ici. C'est pas très grave, hein, on peut utiliser deux teams, on s'en fiche un petit peu. Donc, en fait, pour commencer, on va utiliser la team qui est composée de C18 agilité et Trunks GT en leader. Faut savoir que C18 agilité, c'est une leadeuse agilité à 60%. Et le Trunks GT lead l'agilité à 70%, entre autres. Il lead trois types de mémoire, mais l'agilité en fait partie, donc à 70%. Qu'en fait, on est dans une condition de leader à 130%, c'est un peu naze, voilà, qu'on se le dise. Si vous avez Vegeta 4, par exemple, vous jouez Vegeta 4 là, c'est bon. Hein, vous avez déjà 40 milliards de pourcents de plus en leader. Ça me paraît assez évident. Faut juste faire attention, hein, vous allez, tout ça, je vais vous montrer assez rapidement, hein, vous allez voir au fur et à mesure du guide. Je vous conseille de tout voir avant de vous lancer, parce que forcément, il y a des unités que je réserve pour plus tard, notamment sur le CSS, vous allez voir que la team est très particulière. Donc au niveau de la team, qu'est-ce que je ramène? La première team, ça va être, on va ramener le Trunks LR, parce qu'il ramène des PV, il ramène une unité qui est pas dégueulasse défensivement parlant, qui va mettre pas mal de dégâts. On ramène l'armée de robots qui est free-to-play, qui va ramener énormément de défense dans la team, c'est un bonus de 50%. Et puis, enfin sur le tout, évidemment, c'est un support à 50% de def. Et puis lui-même réduit les dégâts encaissés, il buff sa def sur sa spé, donc c'est une unité qui est très très forte défensivement parlant. On va ramener le couleur agi du TB, c'est un support pour le type agilité, attaque et défense plus 40%. Il a jugement serein avec le Trunks, donc c'est très fort parce que c'est un buff de def de 20%. On va ramener le Piccolo ZTUR qui en fait au bout du 5ème tour régénère. Pour l'instant, il faut arriver au 5ème tour et souvent on n'y arrive pas avec cette team là. Et puis en dernier lieu, on va jouer le Vegeta Pixel qui a une défense pas horrible, hein, voilà, c'est pas dégueu. J'essaye pas mal de compositions, mais j'arrive pas vraiment à trouver vraiment un ensemble cohérent. On pourrait peut-être interchanger le Vegeta Pixel avec le Hams, par exemple, le Hams qui débuffe. Qui amène du support pour l'extrême, ça peut être sympa. Donc au niveau de la deuxième team, vous voyez, c'est une team secondaire. Hein. On va ramener le dispo avec la Caulifla, c'est double 70%, donc 140% de lead. En soi, on pouvait ramener Caulifla dans le premier combat, interchanger avec C18, hein. C'est jouable également. On ramène ensuite le Gohan ZTUR qui tape assez fort, qui a une bonne def. Goku Blue qui va taper super fort, il a pas une def incroyable, mais il va surtout taper super fort. J'ai ramené le Gohan du TB pour le support, hein. Le Hams pour le debuff, le support extrême, même si on n'a pas vraiment trop d'unités extrêmes ici, en fait c'est le seul. Avec Golden Agi qui lui est là pour tanker. Vous voyez, c'est des équipes un petit peu bric-à-brac. De toute manière, il faut partir du principe qu'avec ces deux teams, normalement, C18 elle est morte. Hein. Il n'y a pas à tortiller du cul. Bon, hein, ces deux équipes-là, de toute manière, C18 elle va crever. On va voir ça assez rapidement de toute manière. On est donc parti pour le fight face à C18 puissante. Vous voyez que j'ai pas exactement la même team que je vous ai présentée à la base, c'est normal, comme je vous ai expliqué, je record au fur et à mesure des tentatives, donc c'est pas forcément les mêmes records, hein. C'est pas la même run en tout cas. Et donc ici, vous voyez que j'ai changé, c'est pas exactement la même team, pardon, on a le Tenshinhan et Shaozu à la place du Trunks LR. Je vous déconseille, hein, je me suis rendu compte au fur et à mesure que c'est pas la meilleure idée du siècle. J'ai ramené également le Metal Cooler Agi Free to Play à 100%. C'est pas la dinguerie de l'année. Et voilà, par exemple, là, j'ai joué le Hams, qui peut être très très sympa en vrai. Donc, en fait, ici, la stratégie de cette team, hein, globalement, c'est d'essayer de tenir le coup au niveau PV en jouant la rotation qui allie du coup Trunks GT à C18. Alors, qu'est-ce qu'il y a de bon? C'est que C18, elle a changé les ki en durant son ki agi. Ça a ramené pas mal de ki pour ce Trunks. Et en fait, en récupérant les ki agi sur le plateau, on récupérait quelques PV. Et c'est comme ça qu'on tient le coup. Alors vous allez voir qu'en fait avec cette team là, j'ai réussi avec seulement cette team là, j'ai pas eu besoin d'une team secondaire. Pourquoi je vous montre ça, c'est parce qu'en fait ça demande un taux de luck assez élevé. J'ai réussi avec seulement une team, mais c'est faisable. Moi je vous montre cette run là pour vous montrer qu'en tout cas, voilà, il faut pas s'inquiéter là-dessus, c'est pas parce qu'on utilise deux teams que c'est compliqué. Au contraire, il y a même moyen de passer avec une team si vous avez les bonnes circonstances de chance, hein, tout simplement. Ici, vous voyez, on a une rotation qui est pas dégueu. On a quand même l'armée de robots avec le Hams, donc pas mal d'unités. On a un support extrême avec du coup le buff aussi de 50% de def de la part de l'armée de robots. Ici, je garde Piccolo tout simplement parce que Piccolo, ici, il faut savoir que, comme j'ai dit, au 5ème tour, il va se transformer, il va fusionner avec Nail. Du coup, il va récupérer pas mal de PV. Je crois que c'est quelque chose comme 40%. Et puis en plus, il va récupérer des 15 000 PV. Par Rainbow qui récupère sur le plateau, sachant qu'il change les ki agi en ki Rainbow. Donc on est sur quelque chose qui va pas mal nous backup, hein, dès qu'il va se transformer. En vrai, le truc ici, c'est que il faut arriver au 5ème tour et c'est très compliqué. Bon, ici, double debuff et puis il tape quand même assez honorablement. Hein. Ce Ham, c'est une très très bonne surprise pour l'unité free to play. Unité qu'on farm du coup sur l'event DB de Dragon Ball Heroes, Super Dragon Ball Heroes. Collab qui a donc finalement arrivé sur la version globale il n'y a pas si longtemps.
L'armée de robots qui va tanker ici, qui va très très bien tanker. A priori, l'aspect, on va prendre un petit peu plus de 30 000. 25 000, même pas 30 000. Hein. Vous voyez, l'armée de robots est vraiment énorme là-dessus. Sachant qu'elle avait buff sa dev, qu'on avait des buffs, etc. Donc on était dans les bonnes circonstances également. Mais vous voyez que c'est quand même une unité qui est très très intéressante là-dessus. Ici, vous voyez que la mort approche. Hein, pour autant, hein, et même si on a plutôt bien tanké l'aspect derrière, on voit qu'on est déjà à 50 000 PV. On n'a plus grand-chose à se mettre sous la dent niveau qui agit. Enfin, voilà, niveau défensif, on est quand même, on est très fragile quand même. Hein. Il y a quelques unités qui s'en sortent très bien comme l'armée de robots, mais sinon, on est relativement fragile, défensivement parlant. Ici, bon, vous voyez que finalement, l'auto, ça va encore, mais c'est vraiment, là, on se prend la moindre respect, on est mort. En fait, le seul moyen en fait, que j'ai eu pour réussir avec cette team-là, c'est ça. Voilà, j'ai tapé une esquive avec mon métal couleur agi free-to-play, parce que je l'avais mis full esquive. J'ai tapé l'esquive sur l'aspect, donc ça m'a permis derrière de pouvoir tout simplement partir en spec le piccolo à l'arrière. Donc j'ai peut-être mis Tenshinhan et Shaozu, qui ils vont taper plus fort hein, quand même dans cette composition, dans cet agencement-là. Donc, vous voyez qu'avec un petit coup de chance, ça peut passer. Directement avec une seule team, mais bon, voilà, Tenshinhan et Shaozu, c'est pas la folie, je vous conseille quand même Trunks, etc. Je vous conseille les teams que j'ai ramenées à la base, hein. Cette team-là, elle est un petit peu moins optimisée, mais j'avais envie de vous montrer cette run-là, parce qu'en fait, ça vous montre que c'est quand même faisable avec une team. Il faut s'adapter quand même pas mal, vous voyez qu'il y a eu une double spé entre autres, enfin voilà, c'est parti quand même. On a quand même eu pas mal de chance ici, mais c'est faisable, donc vous voyez quand même la C18 puissance ici, c'est pas non plus le boss plus compliqué en vrai. Il faut juste faire gaffe, hein. Les choses se corsent, mais il faut faire gaffe. Vous réservez deux teams pour elle et ça suffit amplement. Hein. Les choses deviennent compliquées au niveau 3, réellement. C'est là où ça devient réellement compliqué. Là, pour le moment, ça passe encore. C'est encore pas une balade de santé, mais voilà. Une fois que vous avez le team building, c'est ce que je vous propose, hein. Une fois que vous avez le team building qu'il faut, bah ça passe plus ou moins bien, quoi. Et donc, vous voyez que au rythme de répéter, ça peut même passer avec une seule team quand vous avez beaucoup de chance. Sinon, vous réservez deux teams, comme je vous ai montré à la base. Ça fonctionne très, très bien. On part maintenant donc sur le boss, hein, le gros boss du niveau 2. C'est le sel première forme intelligence. Donc, comme les gros boss de niveau, vous le savez, ils ont plus de restrictions que les autres. Lui, en l'occurrence, on ne peut pas le stun. Je crois qu'on peut même pas le debuff, hein, si je dis pas de bêtises. Mais ici, je vais vous avouer, je ne sais plus parce qu'en fait, on va pas jouer debuff. Je crois qu'on peut plus le debuff, on peut pas bloquer sa spé. Il part en spé deux fois par tour, donc ça peut faire mal. Il peut partir en spé deux fois par tour, c'est pas systématique, mais il peut. Ça fait très mal. Voilà, beaucoup de complications avec ce sel. Donc pour le coup, hein, ce genre de boss, il n'y a pas photo. Hein. La seule solution, c'est soit de taper très fort, soit d'être très bon défensivement, soit de faire les deux. Enfin voilà, il faut ramener du fat en tout cas. Et pour le coup, c'est pour ça que j'ai ramené le champa en leader. Le champa, je rappelle que c'est 120% pour l'univers 6. Et sinon 70% pour le type endurance. Et vous, comme vous pouvez le constater, on a beaucoup d'unités de l'univers 6. Ici, on a la Kayle qui va être notre deuxième leader à 90% pour le type endurance. On a Kefla, on a Botamageta. Ça fait quand même 4 unités de l'univers 6. Ça va être pas mal. Hein. Là-dessus, elles vont être plus ou moins performantes, hein, ce genre d'unité-là. Donc là, Botamageta, il est là pour tanker. Hein. Beaucoup de monde sous-estime Botamageta en endurance, encore une fois. Hein. Vous pensez que c'est juste une unité drôle avec laquelle on peut s'amuser au niveau de son leader skill. Non, non. Réellement, en tant qu'unité à part entière, Botamageta est fort. Et ici, il va nous aider énormément défensivement parlant parce qu'il va nous permettre de tenir le coup vis-à-vis des nombreux spés aussi. C'est grâce à lui que vous allez voir, il va tanker excellemment bien. Kefla, elle va être là pour ramener énormément de dégâts. Elle va annuler les auto-attaques également. Elle a une chance d'esquive. Kayle va envoyer également beaucoup de dégâts. Champa peut MD des dégâts, mais ici, c'est pas son rôle hein, de faire des dégâts. Quand il proc son passif, il va en envoyer, clairement. Mais vous allez voir qu'il proc pas non plus si souvent que ça son passif. Il va surtout aider parce qu'il a un support pour l'univers 6 à 40%, c'est énorme. Gret Sayaman LR est là pour ramener de la dev dans la team. Et puis surtout, il faut pas oublier qu'en spell ultime, il va buff l'attaque des alliés super de 20% pendant 2 tours. Hein. Derrière Goku GT, SSJ2, excellente surprise. Ce Goku et GT, SSJ2, hein, je m'attendais à avoir une unité excellente ici. Et ben, je suis pas déçu parce qu'il va récupérer de la def sur sa spé, il a 40% de chance de crit, c'est vraiment une unité vraiment super sympa, ce Goku GT. Et puis en dernier lieu, on va jouer un support, Trunks Ikari, qui va aider hein, l'ensemble à mieux tourner. Vous allez voir que finalement, c'est pas non plus si compliqué que ça, hein, le sel. Hein. À part si vous avez vraiment un coup de déchat sur les spé, ça peut vite mal tourner en vrai, le sel. Hein. Mais quand les choses s'agencent bien, vous allez voir que c'est plutôt simple. On part maintenant donc pour affronter le sel, vous voyez qu'on a plus de 300 000 PV, hein. C'est entre autres grâce au fait qu'on ait beaucoup d'unités de l'univers 6 dans la team. On commence du coup avec une rotation Kefla, Gret Sayaman et Goku SSJ2, c'est pas mal du tout hein, d'avoir Kefla et Gret Sayaman parce que ça va lui permettre de récupérer pas mal de dev, sachant que c'est une nuqueuse. Hein. Là on avait pas mal de ki, sachant qu'elle change elle-même les ki intelligence en ki endurance, vous voyez qu'on monte quand même à 72 000 points de défense, c'est pas horrible. Gret Sayaman lui va partir en spell ultime, donc il va buff derrière le Goku GT.
qui lui part en spé plus rapidement. Hein. Je rappelle qu'il se donne du ki via son passif dès qu'il est à ki plus 8, quelque chose comme ça. Donc il va partir en spé assez facilement. Vous voyez, première spé hein, de la part du sel, c'est quand même 61 000 dans la gueule. C'est pas rien, sachant qu'il débuff. Hein, ce sel, c'est très ennuyant. Il vient débuff. Donc on voit quand même ici que Kefla, elle assure offensivement. Elle assure pas mal offensivement, et défensivement même. Hein. Vous voyez que sur les auto-attaques, elle prend quand même que dalle. On partit grâce au fait qu'il y ait Great Saiyaman dans la rotation. Offensivement, bon, a priori, elle lance souvent plus souvent de spé. Hein. Là, malheureusement, on n'a pas eu de chance, elle a lancé qu'une spé, mais vous voyez que c'est pas si grave. Derrière, on prend pas grand-chose. Vous voyez, deuxième spé hein, du sel, hein, il tabasse. Hein, il tabasse vraiment. Directement, on se fait molester. Quoi. 68 000 x 2, c'est parti. C'est un peu la fête du slip. Mais derrière, on envoie quand même pas mal de dégâts. On est quand même tanky sur les autos, donc ça passe encore. Ici, on a pas mal de chance, parce qu'en fait, on a Kayle avec deux supports. On a Kayle avec le Champa. On a Kayle également avec le Trunks Ikari. Sachant qu'ici, le Champa, ben, il a classe équivalente. Hein, il est extrême lui aussi, donc il va prendre un petit peu moins de dégâts que ça. Trunks Ikari derrière, il va buff l'attaque. Donc la Kayle, elle se met très très bien ici. Hein. Sachant qu'ici, évidemment, la stratégie, c'est de garder un maximum de ki intelligence et endurance sur le plateau. Vu que ça nous, va nous permettre tout simplement de maximiser le nombre de ki que Kefla va changer. Et du coup, ça, on voyait vraiment beaucoup de ki pour Kefla. Sachant que c'est aussi un moyen de nous régénérer, vous voyez. Hein, une balance d'espé à tout va. C'est un peu la fête. Hein, et notre barre de PV, mine de rien, elle tombe très vite. Hein, à chaque fois, 60 000 sur 60 000, ça part. Quoi, 60 000. On est sur quelque chose d'assez puissant. Néanmoins, derrière, on tape très très fort quand même avec notamment cette Kayle qui va envoyer 1,5 million, si je dis pas de conneries, c'est ça, 1,5 million. Elle part très très souvent en double SP également, donc le sel, on arrive à le descendre assez rapidement, plus rapidement qu'il arrive à nous mettre des dégâts. Après, évidemment, s'il nous rebalançait une SP ici, on était mort, hein, faut bien le réaliser. Une deuxième SP ici, c'était fini. Heureusement, on s'est pas repris une deuxième SP là. Là, on récupère du coup Bota Magueta la Kefla. Oui, Bota Magueta a énormément de défense ici, à 64 000. Grâce notamment à ce Great Saiyaman. Je rappelle que Bota Magueta, c'est une unité qui est à la base un SR natif. Là, on se met extrêmement bien avec la régénération passive. On a récupéré plus ou moins 20 à 30% de nos PV. Et surtout, ça va permettre à Kefla de taper très fort, hein, vu qu'elle a pas mal de ki pour nuquer. Le Bota Magueta qui assure complètement défensivement parlant ici, il n'y a aucun problème. Pour lui, il prend absolument rien du tout. On auto-attaque, même en spé. Hein, si jamais, je sais plus s'il se prend une spé, si jamais c'est le cas, vous allez voir qu'il prend rien. Bon, non. Il prend, je crois, 25 000 en spé. C'est quand il annule, évidemment, les dégâts, quand il active sa réduction de dégâts. Il prend 25 000 en spé, c'est que dalle. Kefla, ici, qui monte à 1 million. Voilà, 1 million 8. Et elle repart en spé. Vous allez se terminer, hein, tout simplement. Vous voyez, c'est un peu une course contre la montre, hein, ce combat. Faut tuer plus vite qu'il ne nous tue. J'aime pas trop ce genre de team, mais il y a quand même une part de contrôle avec pas mal de def. Donc, finalement, ça va. On arrive quand même à assurer avec Great Saiyaman qui ramène de la def. Kefla qui va nous régénérer passivement via le nombre de ki qu'elle récupère. Bota Magueta est là aussi pour assurer défensivement parlant. La plupart des unités ont de la def dans cette team. Goku GT a de la def également. Vous voyez que ça roule assez bien. Hein. C'est pas non plus la mort. Mais il faut bien comprendre que ça peut mal tourner. Ça peut. Donc, faut pas s'étonner. Mais a priori, ici, ça passe bien. Je n'ai pas spécialement de deuxième team à vous proposer ici. Hein. Il vaut mieux réussir directement avec cette team-là. Parce que la plupart des autres. Parce qu'ici, on n'a pas. On doit garder notre. On doit pas spécialement garder notre team endurant, mais c'est surtout qu'on en a déjà utilisé une au tout début. Donc finalement, team endurance, on est un petit peu à sec là. Donc il faut vraiment essayer de réussir avec cette team là. Sinon, ça devient très très vite compliqué. Comme j'ai expliqué au début de la vidéo, pour un souci de longueur, hein, les vidéos sont coupées. La vidéo guide sur ce Battlefield sans aucun Dokkenfest ni LR Premium est coupée en 3 morceaux. Donc ici s'interrompt la deuxième vidéo qui concerne le niveau 2. Pour le niveau 3, une nouvelle vidéo va sortir dans quelques heures. N'hésitez pas donc à aller consulter cette vidéo si vous voulez voir la suite. Et pour ceux qui n'ont toujours pas vu la vidéo sur le niveau 1, qui donc rentre complètement dans la continuité de cette vidéo-ci, il faut absolument aller la voir. Hein. Comme ça, vous avez l'ensemble des 3 vidéos. Hein, et j'ai pas voulu tout combiner parce que sinon, c'était vraiment trop lent. Donc voilà, je vous retrouve très prochainement sur la vidéo numéro 3. A tout de suite.